La fondation suisse Biovision travaille à la promotion d'une agriculture durable. Son fondateur Hans Rudolf Ehren en est convaincu. Dans ce domaine, l'innovation offre une plus grande indépendance aux paysans. Ces méthodes complexes permettent aux agriculteurs d'acquérir une certaine indépendance à l'égard des grandes multinationales qui vendent les semences et les engrais. Ils peuvent en effet augmenter leur rendement et devenir des membres productifs de la société. En produisant davantage, ils peuvent apporter leur contribution à la communauté. Une des méthodes écologiques développées par Biovision en Afrique de l'Est est le système appelé Push-Pull. John et Perez Otiep cultivent 2 hectares de terre dans l'ouest du Kenya. Ils utilisent cette nouvelle méthode depuis maintenant 7 ans. Auparavant, les parasites gênaient sérieusement leur travail. En Afrique subsaharienne, le ravageur du maïs fait chaque année des dégâts dans les récoltes. Ils atteignent plusieurs milliards de francs. Autre problème, la striga, une mauvaise herbe qui se nourrit des racines des plants de maïs, réduisant là aussi considérablement les rendements. On travaillait très dur, mais on n'arrivait pas à produire assez pour couvrir les besoins de la famille. La méthode push-pull a permis de mettre au point un système écologique et durable pour venir à bout des ravageurs. Elle consiste à planter du démodium entre les rangées de maïs, ce qui produit l'effet de poussée, c'est-à-dire que le ravageur est chassé par l'odeur de cette plante. De plus, le démodium conserve l'azote dans le sol et neutralise la redoutable striga. L'effet de traction, lui, est obtenu en plantant de l'herbe à éléphant autour du champ. Cette plante attire le ravageur à l'extérieur. Par ailleurs, l'herbe à éléphant constitue une source de fourrage. La méthode push-pull a été développée par l'entomologiste Adia Zeyurkan avec la collaboration d'agriculteurs locaux. Les farmers qui utilisent le push-pull system. Les paysans qui utilisent le système push-pull acquièrent une meilleure compréhension du fonctionnement de l'agriculture. Ils sont mieux armés dans leur travail que ceux qui se contentent d'acheter une bouteille de pesticides. Depuis que la famille Otiep utilise ce système, elle récolte des épis de maïs impeccables. Son revenu a aussi augmenté. Le rendement a augmenté de 2 sacs par hectare à plus de 20 sacs. 2 to 24 bags per acre. Plus de 96 000 paysans utilisent actuellement cette méthode en Afrique de l'Est. Elle leur permet d'augmenter la production et de vendre l'excédent sur le marché local. Mais pourquoi ne sont-ils pas plus nombreux en Afrique à se convertir à cette méthode ? L'agriculture écologique exige des connaissances très pointues. Ce n'est pas facile de transmettre cette science à n'importe quel paysan. Il faut aussi faire davantage de recherches. Il s'agit d'observer comment fonctionne la nature et faire comme elle, de faire en sorte de nous faire aider par la nature. Es geht darum, dass man die Natur beobachtet und sie kopiert und die Natur braucht, um zu helfen.